Michel Leeb choqué devant une vidéo de jeune, on dirait mon fils, ZAPTV. Déterré du passé les moments les plus drôles de la carrière de ses invités, voilà le talent incontesté de Laurent Ruquier dans son émission Les Enfants de la télé. Diffusée sur France 2. Ce dimanche 8 janvier 2023, c'est Michel Leeb qui a été mis sur le devant de la scène. L'acteur et chanteur français a en effet découvert un extrait d'un film qu'il a tourné dans sa jeunesse. À l'époque, le réalisateur Serge Pénard lui avait en effet confié le rôle d'un soldat allemand dans La Mer Sauvage. Son film adapté d'une nouvelle de Maupassant. À l'écran, on peut voir le jeune Michel Leeb parler allemand, ou du moins essayer. De quoi faire beaucoup rire Laurent Ruquier et toute sa troupe. Mais ce qui a choqué Michel Leeb, c'est autre chose, sa ressemblance étonnante avec son fils, le chanteur Tom Leeb. Michel Leeb est resté totalement choqué devant l'écran, croyant véritablement voir son fils Tom, ce qui est frappant. C'est qu'on dirait Tom Leeb. C'est incroyable comme je ressemble à mon fils, je m'en rends compte, tout d'un coup on dirait lui. Vous êtes d'accord, lui qui est le père de trois enfants, Fanny, Elsa, qui sera bientôt maman, et Tom est aussi leur premier supporter. Je vais être très honnête, mon fils, c'est moi. Mais en mieux, a-t-il déclaré dans l'émission. Ce n'est pas la seule anecdote que nous avons découverte sur la jeunesse Michel Leeb. L'humoriste a ainsi raconté à Laurent Ruquier sa première télé, totalement ratée. Puisqu'il a été oublié par le présentateur Guy Lux et n'est donc pas monté sur scène. Heureusement, il a pu revenir la semaine d'après et rattraper cet échec cuisant.